Et bonjour ami viewer, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi ça va très bien, je pète le feu, il est 17h30, on a fini la journée de travail, maintenant on se détend. Entre de belles grosses guillemets. On va essayer de finir ce Dead Space, nous sommes bientôt au chapitre 10. Parce que j'ai cru entendre par nos chers autres amis viewers, il y aurait 12 chapitres. Alors, est-ce qu'on va réussir à le finir aujourd'hui? Je ne sais pas, on va sûrement partir pour minimum, je dis bien minimum, une heure de jeu. Et après on verra si ça se passe bien, on continue, s'il n'y a pas d'aléa. D'aléa du direct, on devrait finir ce jeu en moins de 2 heures, ça doit être faisable. Ça doit être faisable. Ah, Narkheim est parmi nous aujourd'hui, comment vas-tu? Oui, ça va faire peur encore une fois, tu as totalement raison. Et grâce à toi, ça me permet de voir que mon chat fonctionne très bien. C'est super, allez on continue. On relance le jeu. Mon chat fonctionne, tout a l'air de fonctionner. On va lancer juste un petit logiciel pour que vos follows s'affichent en direct et que votre nom est en haut là-bas. On voit bien que c'est Narkheim qui a suivi pour la dernière fois. Alors on entend la dame chanter. Je sais pas si qui c'est. Alors où en étions-nous? Je ne me souviens plus très bien. Regardons la map, sinon je dois faire réflexe. Réparer la navette, oui. Alors on avait essayé de lancer un message d'alerte sur un astéroïde qui avait été capturé par le vaisseau. On l'a projeté dans l'espace, une sorte d'émetteur pour que notre appel à l'aide s'entende partout. Apparemment, un vaisseau nous a répondu, a voulu nous rejoindre. Mais ils avaient récupéré notre capsule de sauvetage où dedans nous avons fermé un putain de monstre invincible. Et évidemment, bah, ils se sont fait défoncer. Et donc voilà, on en était là. Le vaisseau nous a percuté, donc ça nous a permis d'aller dedans. Et en fait, on se rend compte que ce vaisseau n'était pas là pour nous sauver, ils étaient plutôt là pour nous défoncer les gars. Au final, qui est pris, qui croyait pas. Narkheim, je me dis très bien, je vais partager sur la page car il est libéré. Ah, mais c'est super! Eh bien, bonjour à tout nouvel arrivant. Je me présente, Paradox, non Paradox français, restons français. Ce team français, vous connaissez mon niveau d'anglais, hein? Vous le découvrirez peut-être très prochainement. En tout cas, je vous invite à aller voir nos vidéos, ce sont pas les miennes. Narkheim nous fait de super vidéos sur la chaîne YouTube Scary Games Library, je vous invite tellement à aller voir. C'est vraiment bien fait, pour du travail, je veux dire amateur, mais c'est pas mon goût. À mon goût, c'est pas très amateur tout ça. Il y a un petit peu de personnalisme derrière. Donc, ce superbe travail fait par mes camarades. Scary Games Library sur YouTube. Je savais que tu saurais quoi faire. Vous verrez bientôt sur le site. Tester tous ces beaux petits jeux d'horreur. Dieu merci, vous voilà. Et bonjour. J'ai suivi votre progression. Je sais que vous voulez réparer la navette de fonction et quitter cet endroit, mais la fuite est impossible pour l'instant. L'accélérateur lumière est complètement détruit. Non, 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 non. Gardez espoir. Gardez espoir. Au début, je l'avais perdu. J'ai sabordé le vaisseau, saboté les systèmes. Mais Amelia a tout changé. L'Église! Il croit que le monolithe est divin, mais il ne voit pas le danger. J'ai l'écouté. Son maléfice. Regardez, regardez, regardez ça. Qu'est-ce que c'est? What the fuck? Voilà ce qu'on a trouvé au cœur de cette planète. Mercer l'appelle la reine mère. C'est la source. Elle contrôle les nécromorphes par télépathie. C'est la fête des reines mères, dimanche. Mais Amelia savait comment faire pour les arrêter. Dis-moi, le monolithe doit être remis à sa place. Le monolithe retenait ses forces au cœur de la planète. Ramener le monolithe et sceller la reine mère. Facile. Bien sûr. Oh pitié. Pardonne-moi, Amelia. Je suis le seul responsable de ce qui s'est passé dans ce vaisseau. Il est chiant son Babarata. Je vais essayer à tout prix de mettre un terme à tout ça. Pour réparer mes fautes. Sacré fourmi. Vous pouvez m'aider. Si vous réparez la navette et ramenez le monolithe à bord, on peut arrêter ça. À jamais. C'est ce que je demande, Coco. C'est quoi ce signe qui m'a fait à la fin?
C'est un Power Ranger le type. Power Ranger. C'est bon, t'as fini. Comment les gars ils font pour retrouver. Comment les gars ils font pour se retrouver dans une putain de pièce? Ah bah non, il pas. Bah ouvre-moi. Pourquoi ils m'ouvrent pas simplement? Je les défends. Oh, Vittles. Moi qui pensais que ce jeu au départ c'était juste ouais, des bébêtes, un problème de mutation, encore des fichus qui fait des expériences partout. En fait on s'aperçoit qu'il y a un petit truc religieux derrière, que c'est encore la faute des hommes. De toute façon, comme dit l'expression, l'homme est un loup pour l'homme, et les seuls à pouvoir nous détruire. C'est ce qui se passe encore, actuellement. Ils ont voulu faire mumuse avec des grosses bébêtes. Au niveau munitions, je suis pas tip top. Bah, dès que j'ai pas mon cutter plasma, je me sens pas bien. Il est où l'autre gros monsieur? Le loup est à fond pour le loup aussi. Alors hier j'ai remarqué que ma voix était un peu plus basse par rapport au son du jeu, j'espère que ça va mieux aujourd'hui, j'ai baissé un petit peu. Si on peut faire un petit peu sur ça. Regardez mes munitions, il y a encore quelque chose quelque part. Vous êtes combien messieurs? J'ai pas réservé assez pour tout le monde. Bon ça devrait aller. En fait, faut pas que je me trône. Oh là là, qu'est-ce que j'ai du mal aujourd'hui. Il faut pas que je me prenne trop de petites bestioles sur la tronche. Parce que c'est leur nombre qui fait mal. Et non pas eux. Ah oui, mais ils sont un peu trop en fait. C'est un peu beaucoup, monsieur. Une tronchoise, 15 balles. Ça fait du gay. Tiens Arkham, je voulais te demander, le petit jeu de la dernière vidéo, est-ce qu'il est gratuit? Est-ce qu'il se trouve quelque part ou est-ce qu'il faut l'acheter? Parce que j'ai envie de l'essayer du coup. Je pense que non, t'as pas une mission. Je suis une solution. Mais ouvre-toi! Mais ferme-toi! Et là c'est pas le cas. Mais si. Pourquoi j'ai mon cœur qui va à fond? Une save déjà. Alors 7h10 de jeu. Sachant que j'ai pas fait du. J'ai pas fait trop d'AFK. Je dois même pas avoir 20 minutes d'AFK, je pense, sur le jeu. Et puis je pense même pas que quand on a AFK, le temps de jeu décompte. Lui gratos est dispo sur GameTube. D'accord, j'irai faire un truc. Parce que pour avoir un slip à paillettes, c'est qu'il doit voir, il doit valoir son pesant de cacahuètes. Et putain, ça rime. Faut la sortir, c'est bon. Faut la mettre dans un test ou autre. Faut dire. C'est ça la navette? Il y a des munitions dans la navette? J'ai l'impression que je vais l'activer, je vais me faire défoncer. Je vais chercher des munitions avant. Ici. Mais oui, voilà. Quelle bonne idée. On commence à connaître le jeu. Qu'est-ce que c'est là-bas? Il faut d'abord que je mette la carte pour activer ça, d'accord? Ah non le chien, bois pas hein, commence pas. Ah là tu peux, y'a pas de monstre, je t'autorise. Dès qu'il y a des monstres t'arrêtes. Il faut que tu regardes le jeu. Voilà, un peu de munitions. Un peu de vie. Un peu trop en fait.
ça y a quand même. Et là, quand je vais sortir, il récupère. Excellent, excellent. Attendez-moi, je suis en route. C'est qui me parle déjà? Parce qu'on a vu Amon se faire littéralement éclater par une putain de bestiole très solide. J'ai rien pu faire. Juste derrière, elle m'a pas fait de cadeau non plus. Essai des moteurs de la navette. Mise à feu. Oh putain, non, c'est la bestiole invincible. Je me casse. Laisse-moi tranquille. Putain, j'ai éclaté la table et pas la bestiole. Mais, on va te faire. Bah, n'importe quoi. Je lui envoie des putains de lames dans la gueule et c'est un. Un petit coup de pied qui l'a fait dégager. Ah, t'es déjà debout. Putain. T'es pas ça lourd avant de venir ou quoi? Le petit m'a dit qu'il venait bien. Alors, un petit peu de mort, bonjour. Bah, je ne sais pas quoi faire. Mais qui? Ah ouais, non, ça c'est pas un invincible, ça. Voilà, l'invincible, on s'en veut bien que l'invincible. Attends, on refait un petit tour. Marathon Isaac Simulator 2015. Allons-y. Pep, attends. Eh, hey, lui aussi il revit. Ouais, oui, c'est la fourrie, ouais. En fait, le truc. Attends, refais un petit tour. Marathon Isaac 2015. On recommence. Ça, on a fait une éclipse temporaire. Et si je leur ferme la porte à la gueule, ils vont. Essai des moteurs de la navette. Oh putain, vas-y. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Le plan, les gens. Établissons le plan. Très important. Le plan, qu'est-ce que nous avons? Une bestiole invincible. Alors, le plan... Pas 36. Quand j'appuie sur la navette, la mise à feu de la... Oh, le clic du... Il a loot, c'est qu'il est mort. Alors, deuxième plan. Non, c'est l'invincible ça, putain. Tu lui pètes les jambes et tu stasses. Eh, hey, c'est pas con ça. Tu stasses les gueules. Tu claques devant le réacteur. Ah, qu'il est intelligent notre mec. Qu'il est intelligent. On va se mettre un petit module de stase. Bonjour, excusez-moi, je vous fais. Alors, il faut qu'on ait fini. Vas-y, viens. Mais vous aussi. Isaac, putain, tu peux donner des coups de pied ou quoi? Alors, lui, toi, il faut que je tourne. Alors, j'étais parti sur ça aussi, un arcade. Merci pour le tips, mais j'y pensais. Je me suis dit, faut que je crame leur gueule, mais c'est la stase que j'avais. Essai des moteurs de la navette. Il y en a un qui a couru là. Le vieux seigneur de bataille. Profonde surface. J'ai besoin de cela. Ça marche. Oui, essayez le plan. Ça va marcher. Nous pouvons encore y arriver. Nous devons détacher la navette pour décoller. Le point de contrôle, vite. Il va falloir que vous guidiez la procédure de départ pendant que j'allume les moteurs. Et nous ne ferons plus qu'un. Allez,
J'amène la navette au pont de lancement où le monolithe est stocké. Des connexions, tu veux dire par des connexions, tu t'en vas. Tu t'en vas. Mais si tu t'en vas, je te souhaite une bonne fin de journée. Allez, détache. Mais il va se barrer avec la navette, le champ qui va. Il va nous couillonner la gueule. Mais l'objectif, quel est donc? Blocage navette désactivé. Je me dirige vers le pont. Allez-y, nous pourrons charger le monolithe. Oui, Amelia. Oui, on rentre bien. Je sais plus, c'est qui me parle. C'est quand qu'on n'a pas le nom de la personne qui parle. Oh, je ne sais pas si ce Kain est cinglé ou non, mais on a besoin de cette navette. C'est comme si tu le croyais. Putain, j'ai oublié ça. Pour l'instant. Bon. Je sais pas, là. Eh, j'espère qu'on l'a tué à vie, cette bestiole de merde. Parce que l'invincibilité, c'est pas du jeu. Hein. Moi aussi, je sais faire des cheats. Ah oui, là, il y a le putain de truc là-bas derrière. Ça va être chiant, ça. Je sauvegarde. Bon, voilà. Établissons un plan. Non, je suis nul avec mes plans. Je vais régler juste un petit truc, les gens. Désolé. Hop, hop, hop. Merde, j'ai loupé. Hop. Hop, hop, et hop. Et je suis de retour. Bon bah là, même technique que tout à l'heure, je pense. Attends, j'ai deux balles ici. Cette balle là-bas, c'est bien cette balle. J'ai vraiment plus rien ici. Prends la trancheuse. Bonjour. Un message comme ça en plein milieu de tout autre. On trouve le verso parmi eux. Des unitologues. Je sais pas ce que c'est un unitologue. Est-ce que quelqu'un parmi vous est unitologue? Je veux savoir. On trouve le verso parmi eux. Donc Dr. Kin Kain est dedans. Donc c'est un unitologue, ce foudingue. Qu'est-ce qu'elle veut? What is the question? Sprint. Et ça monte aussi. Au pire, on prend un coup, c'est pas grave. On fait des munitions. Pas de toucher, c'est possible. Alors, dans la merde. Je pouvais exploser ce bidon là. Non? Y'a rien qui est sorti de son bide? Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Ben Matthews, capitaine. Je n'irai pas par quatre chemins. Ce message doit vous servir pour comprendre certaines de mes décisions. Je suis un unitologue. En fait, vous n'ignorez sans doute pas que nous ne sommes pas censés être ici. Pour la compagnie, c'est juste une mission illégale de plus, avant qu'ils ne découvrent le monolithe. Oui. C'est lui qui a attiré l'église, avec moi en tête du pèlerinage. Selon l'église, la plupart des passagers étaient fidèles. Mes instructions étaient de rapatrier le monolithe en sécurité à bord du vaisseau. Terence Kain, un scientifique, connaissait le monolithe d'origine et avait pour mission de déchiffrer celui d'ici. Il m'a dit être sur la bonne voie. J'ai décidé de mettre la colonie en quarantaine. Il y a une sorte d'épidémie là-dessous, et pas question que ça atteigne le vaisseau. Pas avec un trésor pareil. Nous sommes si près du but. Le démantèlement a lieu demain. Nous continuons de déchiffrer le monolithe. Une fois revenu chez nous, nous donnerons nos travaux. Et le monolithe à l'église. Le gouvernement ne nous couvrira pas cette fois-ci. Gloire au grand Altman. Ok. Merci pour l'info, Narkiv. C'est vrai que c'est le nom de la secte. Mythologie. C'est vrai. Et lui, si je perds son bide, je suis sûr que je vais prendre une créature dans la gueule. Et je.
Votre heure est venue. Aucune raison d'avoir peur. Aucune raison de combattre. Beaucoup nous ont déjà quittés. Et l'heure a sonné pour nous d'embarquer vers l'infini, vers l'immortel. Et de laisser le destin faire son œuvre. Rejoignez-moi et revêtez l'apparence de Dieu. Regardez tous ces stas que j'ai. Il s'est fait buter par un truc volant. Ça y est, il va devenir son œuvre, hein, lui qui veut que tout le monde crève pour rejoindre son jeu. Je sais quoi. On se fait des pièces parce que j'ai terriblement besoin de munitions, de soins, d'un peu de tout. Et on me donne des putains de stases. Je vais prendre mon cutter plasma dans la main, je suis sûr de me donner un peu de munitions de cutter plasma. Putain. Avoir un cutter plasma dans les mains, ça donne des crèches. Je me mentis. Wouah! Ça, c'est du headbang de malade! T'as mal à la tête? Oh! Oh, le poucan, c'est joli petit peu, tout marrant. Quoi? Pourquoi je peux pas le ramasser? C'était quelle porte? Et je bug aussi, ouais. C'était la porte en face. Des crédits, une petite boîte. Allez, munitions! Bien. Putain, j'ai du vieux kiwi. Jusqu'à ce que là. Je suis capable de monter là? Ouais. Je vais par où? Par là. Par là, mais je vais par où? Ouais, faut que j'arrête la radio. Ça crame des neurones la radio. Les mauvaises radios. Ouais, j'utilise beaucoup de traceurs et alors? Elle a réussi ou pas la bébête? Alors les gens, un conseil, ne laissez pas cette chose faire sa vie. Parce que au tout début, quand on arrive dans ce chapitre, on arrive dans une salle où il y a plein de cadavres. Partout. Où il y a eu un véritable génocide. Certains amis moustachus ont dû passer par là. Et je l'ai laissé faire. Et ben, j'ai eu tous les cadavres sur la gueule. C'était magique. Plus jamais. Plus jamais. Ah ben, j'ai pas de poids. Plus jamais je laisse faire ça. Et c'est par où? Par là. Oh. Désolé, désolé de vous infliger ça. C'est la salle. Ah, carrément, il faut le savater tout de suite. Hein. Sortez la grosse artillerie. Ah, je vais réussir à articuler un jour. La grosse artillerie. En même temps, c'est pas facile de dire. Je cherche un peu compliqué. Sortez le gros flingue et pétez leur gueule. Wesh. Voilà, désolé. Eh, mais c'est qu'on finit le chapitre 9, dis donc. Yeah. Ah, 10. La fin des temps. Bon, c'est pas fini les temps, là, on continue. Il est mauvais ton titre. Bon, titre, j'aurais pu mettre quoi pour ce chapitre? J'aurais pu mettre... Ni de munitions. J'aurais mis ça pour le chapitre. Attendez. Il y a un truc bizarre sur mon temps de jeu, là. Nanana, ça fait pas 21 minutes que je joue. Qu'est-ce qui t'arrive là? Et là je recommence au chapitre 2. Wouhou. La fin du slip, voilà. Le début du slip à paillettes. Non. Tiens, Arkane, combien mettrais-tu de slip? Monsieur Clark, je m'approche du hangar des vaisseaux. Il faut atteindre la zone de chargement. Le monolithe, il est stocké là-bas. Vous allez voir un élévateur qui vous permettra de déplacer le monolithe vers le hangar. Pitié,
Vous devez m'aider à le faire. C'est le seul moyen. J'avais pas le son à fond. J'avais pas le fond à son. Plan. J'ai pas de point de force. Et on me donne trop de trucs là. Trop de trucs partout. Moi je m'y donnerai. C'est sur 5 hein, vous slip. Je lui donnerai un petit 3. Un petit 3. Et un petit message, ça fait plaisir. Hop, désolé pour cette petite interlude. J'attends des nouvelles. Donc je me permets. À la bonne. Est-ce qu'on a assez pour la tenue? Il me semble que j'avais eu la tenue suivante. Chemin de sous. 50 000 et la tenue 5 c'est... Je l'ai déjà ou quoi? C'est 60 000, je dois avoir un truc avant. Semi-conducteur en or, oui. En rubis, allez. C'est fait. 60 000. Tenue, niveau 5. Allez, va te changer. Tu peux te slip. Regardez, je vais ajouter une petite donnée. Rince du quota. Bon, un petit peu plus de plaques en plus. Hein. J'aurais bien vu une petite variation. Ah non, dans le dos, il y a pas mal de trucs. Et sympa le dos. Mais devant, il n'y a pas grand chose de nouveau. J'aurais bien mis... Alors, il faut que je mette à jour. Enfin, il faut. J'aime bien mettre à jour, tenir au courant. Nous sommes au chapitre 11 et puis 9. Donc, on met à jour le petit. Twitch. Et je vais rajouter aussi un petit truc parce que je suis content, vous êtes 5 à m'en regarder. Bonjour aux autres. Bonjour à tous. Et regardez, je mets juste une petite donnée. Où est-ce qu'elle est? Ah! Il s'est pris dans l'autre. Vous êtes. Et le chiffre, il doit être quelque part. Zéro. Attendez, c'est tant qu'il se met à jour et tant que je lance le putain de logiciel aussi. Attendez, 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 attendez. On n'est pas zéro, c'est pas vrai. On va le mettre, voilà. Start. Start. Voilà. Est-ce qu'il se met à jour? Est-ce qu'il se met à jour? Le beau monsieur. Donc je fais ça, ça me permet d'avoir comme ça juste mon ma fenêtre de stream ouverte. J'ai des nouvelles bottines. Donc j'ai juste ma fenêtre de stream ouverte et j'ai pas à avoir plein de fenêtres partout. Comme ça, ça gagne en qualité au niveau transfert. Même si c'est pas beaucoup plus, c'est toujours bien. Module de stase, on va en vendre. Grave, on va en garder deux. Voilà, on va acheter des munitions. Énergie plasma. Voilà, trancheuse de type 1. 22. Balle. Ouais. Allez, c'est bien. Alors, est-ce qu'il s'est... Il a pas refresh? Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Eh hey oh. Eh hey, tu refresh non? Alors pourquoi ne marche-t-il pas? En plus le logiciel s'appelle SNAZ. Alors t'imagines toi? Copie de tout le board. Alors est-ce que... Eh non, on est 6 parce que j'étais un peu dézoomé, je voyais 0, quel idiot. Mais c'est bon. Bonjour à vous tous. On tape le stock, pas de soucis. Je vais juste recliquer dessus pour venir en jeu. Allez, chapitre 11. On est parti. Oh, merci, c'était cool. Allez, salut. Non, ça commence mal. Ça sort le boss de fin. Ça commence à faire peur, hein. Si j'ai des bombes qui me sautent du plafond, ils sautent. Non, il se passe, c'est pour tenir les pieds. On a avec la trancheuse, on n'a pas peur. On va par où, monsieur? Si je vais à la gauche. Tu vas à gauche. La sauvegardation. Mais c'est pas vrai, j'ai pas 22. On va dire que c'est un 10 et qu'on voit pas le 1. Même si c'est faux. J'étais à 7h tout à l'heure. Donc j'ai joué moins 7h.
On rajeunit les gens, c'est tellement beau. Il faut jouer. Plus tu joues, plus tu deviens jeune. Crash Bandicoot qui a mis son masque. Vous avez entendu? Ah non, il y a ces putains de bazar là. L'unijambiste à point de fer. On reste à côté du truc pour remonter aussi vite. Si c'est la merde. Eh bonjour. Alors est-ce que j'arriverai d'ici? Allez. Ah merde, j'ai libéré toutes ces merdes, j'ai tapé dans le truc. Ah genre il y avait ça dans son buc. Ah j'ai oublié d'en charger les gens. Rêve. Et rend mes munitions. La rentabilité. Crédit. Je t'ai entendu hein. Viens. Eh hey, Doudou, on saute pas sur les gens, on te l'a pas dit. La tronche. Oh, je croyais que c'était une piscine de cube en mousse. Mais je pense que là si tu sautes ça fait pas le même effet. Un point de force. Au final je sais pas si ces mini armes de talent avec les points de force influe beaucoup sur le jeu. Je pense que ça apporte un tout petit bonus, mais le faire, je pense que c'est totalement faisable sans prendre un seul point de force. Du moins c'est mon avis perso, parce que les dégâts on les ressent pas spécialement. J'ai mis beaucoup de dégâts et je les ressens pas. On ressent la différence entre une méga, une créature un peu sombre et une créature de base. Mais je ressens pas, mis à part la capacité de l'arme à avoir de munitions un chargeur, sinon je vois pas de masse différence. Alors la tenue 5 m'a apporté un plus grand inventaire. Alors, la tenue 5 a l'air d'être la tenue la plus élevée. Vu que je vois que j'ai toutes les places de mon inventaire disponibles. Ça doit être la tenue principale. Activé. Récupère charge. Eh, c'est comme à la foire. Alors moi je vais à Nounours. À Nounours Spider-Man. Wow. C'est mon olé. C'est ça. Livraison du chargement 782. Module macro PK requis pour transport supplémentaire. C'est qui crie? Eh, je vous prie de vous présenter. Attends, je prends des munitions, je vais péter ta gueule. C'est Kiki. Eh, bonjour. Ah, la trancheuse. Strike de trancheuse. Combat. Allez, strike. C'est un god géant ça, hein, merde. C'est bon, je voulais pas t'insulter. Tu sors que... Allez. Faut pas prendre ça, c'est pas très efficace. Ah, je vais tracer le chat. Mais laisse-moi courir. Est-ce que je
t'empêche de faire tes trucs avec tes bras, toi. Laisse-moi courir. C'est tout? Non, je savais que t'allais revenir. Bonjour la visée. Comment ça va? Allez, on refait de fin. Coucou. C'est pas vrai, j'ai pas eu son bon. Attends. C'est dégueu. Je me casse de là. Moi je trouve qu'il ferait plus peur bah si les monstres ils criaient pas. Parce que genre si tu les entends pas arriver, tu fais ta poum. Ah, là tu les entends arriver, t'as juste à te tourner, tu les vois au loin. Ouais, tu vois. Fais de changer d'arme, laisse-moi faire. C'est bien, j'ai le monolithe, mais maintenant je fais quoi? Passe pas dans mon inventaire celui-là, hein. Ah, attends, non. Tu veux jouer au jeu qui m'a fait le plus peur de toute ma vie? Ah! Attends, je te réponds. Mais écoute, je suis pas très très jeu d'horreur, moi. Enfin, je suis un client. Parce que là tu vois j'ai une belle arme et tout, ça va. Mais être à poil dans un jeu de pénible, j'aime pas. Sinon c'est quoi? C'est quoi ce jeu? Ça va, hein, je vais peut-être faire une petite vidéo pour Skyway Games, dis-moi. C'est good. Et à chaque fois que je vais bouger le truc d'un mètre, ils vont casser les couilles, c'est ça? Le jeu dont je parle, tu as également des armes, mais munitions limitées et inventaire limité. Ça va, ça peut... C'est un peu animé. Putain, mais en fait je me suis fait niquer encore. Bah je l'ai sur mon Steam, écoute. Et je comptais y jouer. Mais j'évite de jouer à trop de jeux d'horreur parce que j'ai... Si un jour vous voulez que j'en fasse une petite vidéo test. J'aime bien faire les vidéos test en live. On connaît pas le jeu. Livraison du chargement 7, 8, j'aime bien ces tests. Je vais tester comme ça. Si je connais déjà le jeu par cœur, c'est vraiment un test. Le chargeur est arrivé. Le monolithe est dans le hangar. Vous pouvez la placer dans la navette. Faites vite. Puis un jour, tu veux que j'en fasse un petit stream. Je voulais que ça soit le prochain jeu, il n'y a pas de soucis. En plus, il est gratuit sur Steam, ça. Il est long en plus. Ah, je peux en faire une petite vidéo test et le continuer en live.
fait, cette créature, je viens de comprendre que si on arrive à pas toucher à son bide, eh ben y a pas de créature qui pop. C'est pas mal. Ah oui, il me semble qu'il doit être un peu long vu qu'il fait quelques il fait peut-être un peu plus d'un giga entre 1 et 2 gigas il me semble. Ça veut dire qu'il y a du contenu hein, parce que niveau. Je sais que. Bah, de ce que j'ai vu niveau graphique, c'est pas la dernière génération, hein, on s'en fout ça. Mais donc à faire. Je vais aller où moi? Monolith s'est barré où? Je rentre à ma maison. What the fuck? Il avait fini, c'est plus gros. T'es pas mort en fait. J'ai jamais autant été traumatisé par un jeu, oh putain. Dis-toi, t'as eu peur d'un jeu, je te jure. C'est pas que j'ai peur, c'est que t'es pas bien dans tes baskets. Même après que tu as joué, et quand tu repenses, ça m'arrive des fois dans des films, tu regardes des films, pas spécialement d'horreur, hein, mais aussi bien des beaux films ou autre, où t'es là une fois que t'as regardé, pardon, là on a son bruit. Ou les trucs qui te marquent comme ça et qu'après bah, dès que t'y penses c'est qu'un jeu, what the fuck, c'est qu'une passion vidéoludique quoi. Mais généralement c'est les meilleurs jeux, meilleurs films qui te font ça. C'est ce qui marque. Je fais quelques secondes. J'aime pas les petites voix, tu vois. Des trucs comme ça j'aime pas. Ça c'est des trucs que j'aime pas. Les petites voix qui t'appellent, qui chuchotent derrière toi, comme ça. Ça me fait flipper. D'ailleurs j'ai vu qu'il y a... Alors je sais jamais le dire le nom de ce jeu, mais Night at Freddy 3 là. À votre. J'ai vu qu'il y a ce jeu là qui est sorti. Qui est, qui va, je sais pas. J'ai mis notre chère amie Squeezie y mettre un petit screenshot dans l'après-midi. Et des chiottes. Enfin, des chiottes, on a toujours des bonnes surprises. Enfin, des surprises. Je vais pas dire bonnes ou mauvaises, mais on a toujours des surprises. Comme là, des munitions, c'est une bonne surprise. Chez les hommes, chez les femmes, une bonne surprise. Chez les hommes, y a rien. Connard, les hommes. J'ai remis l'ascenseur en état de marche. Monte-le jusqu'au hangar et embarque le monolithe dans la navette. Je vais me rendre au point de lancement. Mon Dieu, j'espère y arriver entière. Dieu nous garde. Parle-nous pas de religion, c'est la merde alors. Le chapitre 11 est terminé. Non. Ah non, oh j'allais dire. On va reprendre le tram déjà, on vient d'arriver. Non, ce n'est pas fini. Continue. L'ascenseur, toujours aussi passionnant. Attends, je vais me sacrer lui. Non. Attends. Comme ça. Non, attends. Attends, c'est dur, j'ai la caméra inversée. Comme ça, voilà, comme ça. Ouais, comme ça on est synchro. Munitions. Ouvre-toi. Oui. Et ils aiment que je joue à la trancheuse, hein. Ils aiment voir ça. Trancheuse, c'est fait. Ah, je suis passé à 100 munitions, ça c'est bien. On va suivre la ligne. Ça doit être sûrement une deuxième partie et pas une petite placard. Après, si tu veux jouer au premier jeu des gars qui ont fait Cry of Fear, c'est Afraid of Monsters. C'est le même délire, mais au moins beau. Après, pas besoin d'être beau. Un jeu qui fait peur. La raison pour qu'il est beau, c'est qu'il est gore. Sinon, on s'en fout. Mais moi, je cherche un jeu qui procure d'autres peurs en fait.
pas le bouh-ah, ça fait peur, tu vois. Mais les jeux qui t'angoissent ou... Truc con, hein. Truc complètement débile, mais je viens de finir The Wolf Among Us. Vous allez me dire... toi, tu me parles de peur... Anomalie dangereuse détectée. Avant de faire ce putain de truc d'anomalie détectée, je vais finir mon explication parce que sinon je serais trop pris. Oui, The Wolf Among Us. The Wolf Among Us, à la fin, donc sans vous spoil, hein, mais à la fin, j'ai été pris d'une pression en me disant putain, on va se faire niquer. Et ça m'a. Bon, le chien, t'arrêtes d'aboyer. Et j'étais là à me dire non, on va se faire niquer, non. Et j'avais les boules, j'avais chopé les boules de se faire niquer dans un jeu, quoi. Et donc, c'est une forme de peur que j'ai appréciée. Activation final, quarantaine. J'ai des clients malheureux. Vous êtes 8 sur le stream, chers amis, c'est très sympa, je vous remercie. On a plein de raccourcis. Je vous invite à me follow. C'est l'instant putaclic. Antenne levée. Non mais follow, je veux dire, c'est totalement gratuit pour vous. Vous êtes même pas obligé de recevoir un petit mail. Et pour moi, ça me fait super plaisir. En plus, nous aurons Joe Scatman qui va nous chanter Skibalébélépopalapon. Expressément pour vous. C'est un honneur quand même. Allez, on va resave. C'était pas une vague très dure. Surtout qu'on était full munitions. Et qu'ils nous ont mis des que deux mobs assez difficiles. Que j'ai littéralement explosé. Donc ça va. Je sais pas si Narcame t'a fait le. The Wolf Among Us, c'est le jeu de Telltale Game. C'est ceux qui font les. Les Walking Dead et tout. En mode c'est le shading et c'est une série interactive. Au en travail. Fait, je vais préparer la navette. Mais restons prudents, très prudents. Traceur, il va plus. Traceur est cassé. Je vais vous descendre la navette. Les commandes de chargement automatique ne répondent pas. Vous devez suspendre la gravité dans le hangar. Et amenez vous-même le monolithe sous la navette. Je vois ce que c'est, mais je l'ai pas fait. Tu vois, je te le conseille. Il y a franchement à la fin, je l'ai joué plutôt le bon. Tu peux faire le connard ou tu peux faire le gamin. J'ai fait le gamin. Parce que je n'avais marre. En fait, moi, non, et ben, j'ai eu peur de me faire enculer. Voilà, je peux parler de peur. Et ça pue les longs couloirs comme ça. Grosse bébête en bas. Allez, et je cours tous les jours. Le mur du fond, il va péter et il y a un gros monstre qui va débarquer. Putain, con de chat, il joue dans le plastique. Il m'a fait peur. Non, qu'est-ce qui va se passer? Je sais même pas si c'est pas. Non, bah non. Okay. On va suivre le traceur. On va jouer safe. J'aurais dû accélérer la vitesse avec les nouvelles combis. Hein. Parce que l'ultra sur il me disait nap. Bah j'y viens là-bas. Ah la porte, oui, elle s'est ouverte maintenant. Mais... Je voulais aller par là, mais la porte était fermée. Trancheuse. La belle trancheuse. 6 munitions dans la palette. Entrée zone sans gravité. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Ah. Munition trancheuse, toujours. Crédit, toujours. Alors, que faut-il faire? Que nous dit là? Positionner le monolithe. D'accord. C'est vrai que les. Il y a des belles petites phases de puzzle game.
Moi j'aime bien. Et je me suis fait chier à courir tout à l'heure alors que je peux me TP. Je peux TP là-dessus. Positionner le monolithe. Oui, oui. Si je cours là-bas. Parce qu'il y a des bestioles qui vont me sauter dessus. Non. Qu'est-ce que je dois faire? Où est le monolithe? Il est là-bas. Déjà, il... Ah, voilà les bébêtes. Putain, ils... Eh, ils vont tous vers le monolithe. Eh, allez, on descend. On est les fous. Mais descend. Alors, place sur le stage. J'ai tiré sur mon inventaire. J'aime vraiment pas la maniabilité. Le portage a été... Je ne sais pas pourquoi j'aime plus ça, parce que... On repère la vitesse de la souris, donc comme la vitesse d'un joystick. Enfin, l'appui constant d'un joystick ou pas. Donc je suis comme ça, c'est le portage du joystick à la souris qui fait ça. J'en suis quasi certain. Ça c'est franchement dommage. Quand on a une arme en main, j'aime pas jouer à la manette. Et je pense que pour des espèces j'aurais dû. Et je pense que pour 2 L3, que je compte faire tout de suite. Parce que j'aurai eu ma dose de Dead Space. Et pour les suivants, ça sera manette obligée, je pense. Alors, je t'ai pas assez poussé quoi. Oh, des cadavres qui volent. Ah, c'est bon. Voilà. Pas de bébête encore. Alors quand tu, comment tu m'as dit que ça s'appelait? Qu'est-ce que c'est que ça? Activer, changer de trajet. Arrêté. Attends. Je comprends pas tout. Mais si on se perce, ça se trouve. Ça va, je trouve, j'ai pas de complications. Surtout, je verrai bien dès les premières minutes si j'ai la même chose. Si j'ai la même chose. Ce sera la manette. C'est vraiment gênant, hein. On a l'impression que je vise comme une merde alors que je suis pas si mauvais que ça en FPS. Je me jette pas de fleurs, hein. je suis pas Gotaga, hein, mais je suis pas mauvais au jeu de tir. D'ailleurs, les gens, le 16 mars. C'est le 15 ou 16, je sais plus, je sais plus. Mais je vais certainement me mettre au Battlefield Hardline. Concentré sur ce que je suis occupé de faire là. Ça c'est fait. Je
Eh hey. Putain, il faut que je le mette au bout. C'est bon, je suis tout de suite. T'es content? Hein? Merde. Ah mais non, je suis en dessous du vaisseau maintenant, je suis con. Moi je veux continuer à avancer, moi. Très bien, c'est en position. J'ai encore quelques problèmes avec ces commandes. Isaac, rétablissez la gravité. Je devrais pouvoir charger le monolithe. Pas de probe, Bob. Alors cette expression, je la tiens de la vie de famille. Vous savez, la série avec la famille Black américaine avec Steve Urkel. Sortie zone sans gravité. J'entends ça. Chargement 7, 8, 2 en cours. Elle est à bord. Vite, rejoignez-moi. Ensemble, nous pouvons arrêter la reine-mère. Nous pouvons la stopper. Enfin. Je sens que je vais me faire baiser encore. Ah, enfin, je vais les rencontrer. Au début, j'ai vu que des gens à travers des... Vite! Il n'y a pas de temps à perdre! On doit le faire! Qu'est-ce que... C'est qui l'a buté? Eh? Kef-kef! Oh non! Où vas-tu? C'est frustrant de se faire baiser tout le temps dans le jeu. Vas-y. Pardon, Isaac, mais je ne peux pas le laisser partir. Je devrais le remercier d'avoir trouvé le monolithe. On a même réussi sans l'aide de l'USM Valor. Ton aide m'a été précieuse, elle aussi. Mes supérieurs ont cherché cet endroit tellement longtemps, Kane n'a pas tout compris. C'est le gouvernement qui est responsable. Toute cette planète n'est qu'une immense expérience. Le monolithe, cette relique divine, l'œuvre des hommes. Une pâle copie du vrai monolithe découvert sur Terre il y a 200 ans, qui était vraiment d'origine extraterrestre. Ils l'ont déterré, étudié, puis ils l'ont copié. Ils l'ont amené sur Aegis 7 et ils l'ont activé. Le résultat est là. Un vrai cauchemar. Ils ont scellé le tout. Il n'y avait rien d'autre à faire. Et puis la compagnie est arrivée sur la planète et a fourré son nez partout. L'expérience était toujours en cours. Kain disait vrai sur la reine-mère. Le monolithe la contiendrait, et peu importe. J'ai le monolithe, et ce vaisseau peut bien aller en enfer. Pour ce que ça vaut, t'as été vraiment super, Isaac. À bientôt. Ou peut-être pas. Isaac, c'est Nicole. Nous avons besoin d'aide. Tous. Vite! Je suis dans la salle de contrôle! Oh, vite! Isaac, vite! Pitié! Je t'aime! Tu parles au moins? Je n'ai marre de me faire enculer, non? Je... Est-ce qu'on va réussir à faire quelque chose? Le pire jeu où on se fait enculer, c'est dans Divinity 2 Ego Drainis. C'est le pire enculage du monde. Sans le DLC. Hein. Surtout. Enfin, sans la suite. Parce que c'est le seul jeu. L'un des seuls où j'ai joué. J'en ai joué une bonne paire. Où j'ai perdu à la fin. Où à la fin, le méchant il gagne et point, fin du jeu. Là, tu fais. Quoi? J'ai perdu. Tu es sérieux? On peut pas être précis. En fait, on peut pas être précis, c'est ça. Il faut faire un gros décal et un gros décalage de souris et espérer tomber dessus. C'est ça qui est un petit peu chiant.
Après, c'est un coup à prendre, mais pour un vétéran de l'ordinateur comme moi, c'est frustrant. Je sais, je me plains tout le temps de cette souris, mais ça me fait chier. Ah, ça me fait chier. T'as peu de chimbole vivant. Comment je vais sa tête? Ouais, Isaac, tu vas plus de baseball. Toi. Isaac, est-ce que c'est bien toi? Attends, je prends le dessus. Jamais te revoir. Après un bisou, d'abord là-dessus. Désolée, je suis terriblement désolée. Je ne voulais pas te faire de peine. Devons la ramener, Isaac. Tu peux piloter la navette depuis ici. Ne faisons plus qu'un. Ne faisons plus qu'un. Le chien, tais-toi. Elle vient t'arrêter aussi. J'ai du mal à suivre, là, un peu... Je peux safe ou pas? Patienter. Ça va passer quelque chose, c'est ça? Activer, prendre les commandes. J'aimerais save avant. Tais-toi, Giga, s'il te plaît. Lui, mon chien s'appelle Giga. Oui, comme l'unité. Oh, et... Tu arrêtes, s'il te plaît. C'est un choc, il fait caca dans le jardin. Laisse-le tranquille. Bon, allez, s'il te plaît. Isaac, qu'est-ce que tu crois pouvoir faire? Tu commets une grave erreur. Ah, je la ramène? Ce n'est pas fini. Sérieux? Sérieux, je la ramène? Capsule éjectée, ah, numéro USG09. Je répète, capsule éjectée de la navette. Ça ne fait rien. Elle ne peut pas la fuir. Pas comme ça. Donc elle va faire quoi? Elle va s'enfoncer le monolithe? Je reprogramme la navette pour aller sur la colonie. On y est presque, Isaac. Vas-y, va dans la navette. Je te rejoins. Ouais. Ouais, laisse-moi save avant. J'aimerais save. Sauvegarde. Le sauvegarde. Si je ne sauvegarde pas, je ne m'en vais pas. Patientez. Putain, on dirait quand t'as la station essence, t'as fini de payer, t'as ton ticket, ta carte et tout, et bah c'est marqué patienter, t'attends quand même alors qu'il va plus rien se passer. Voilà, c'est pareil. Ah, ça y est. Bon, aux gens qui voient, je suis pas à 43 minutes de jeu, hein. Je dois être à 8-9h, 8h je dirais. Attends, ça fait 1h03 que je live. Il est 7h30. Ouais, ça... Ah putain, m'a fait peur. Allez, on va aller le buter sa gueule. Ah putain, je la savate. À coup de pied. Je coupe ses jambes et je la savate à coup de pied. Vas-y, je remets la gravité, je vais la def. Putain, fais chier. Allez, allez. Oh! Putain de chien! Hop, excusez-moi. Oh, et. Comparaison, bah elle était vraie ma comparaison. Il demande de patienter, je pense rien. Allez, on y va. Eh mais vous êtes 8. Salutations à tous. Vous pouvez participer au chat, y a pas de souci. Nous sommes au chapitre 11. Bientôt à la fin. Peut-être. Allez-vous. Tu l'as crié de balle, c'était pute. Excusez-moi pour les enfants. Je vais taper qui 18. Cinéma Trek. Ah non. Ah mais c'était pas la capsule de la nana? Bon, je comprends. Et j'entends pas sa voix.
Tu as fait le bon choix, Isaac. Normal, elle parlait pas. Nous ne sommes plus qu'un, comme nous l'étions autrefois. Je savais que tu reviendrais. Rien ne nous arrêtera plus. J'ai du mal. Le chapitre termine. C'est qui cette nana? Je me souviens pas d'avoir atterri avec elle, enfin d'avoir débarqué avec elle. Oui, je me souviens. Non, ça fait pas 59 minutes. En fait, là, c'est le temps de ma partie actuelle. C'est qui cette nana? Je me souviens plus. Oh non, je voulais lui couper les jambes. Mais que d'or, plaisant. Isaac! Oui. Utilise ces plateformes pour sortir le monolithe de là. Bah si, c'était son vaisseau. Oh, je comprends plus, moi. Bah elle est où la nana qui était dedans? Ah non, elle était pas dedans. Pourtant, on dirait qu'elle était dedans. Bon. Ça sent la lecture d'un petit forum pour comprendre mieux l'histoire. Hein. Oui, donc le vaisseau est là-bas, donc on peut juste le mettre là-bas. C'est éjecté, je crois. Ah, j'ai du mal à suivre. Vas-y, monolithe. Larguez le monolithe. Donc là, on est où? On est sur le... colonie, c'est ça? À la colonie. Tout ça pour ça. Qui est-ce? Alors, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Madame, c'est bon pour toi? Une caisse? Ah, qu'est-ce qui m'arrive? Ah, il manque le truc électrique. Il est où? Ah, je connais ça, les têtes de cadavres comme ça. Il y a un truc volant quelque part. Il est là. Bonjour, je te vois. Isaac, le monolithe doit retourner dans la chambre du piédestal. Déplace-le avec le chargeur et mets-le sur le piédestal. Rends ce qui a été pris et ne faisons plus qu'un. Elle dit toujours ça, ne faisons plus qu'un. Elle est bizarre, il y a un truc, il y aura un truc. Ça me rappelle un peu le Bioshock 1. Si vous vous souvenez du Bioshock 1 de la fin, vous comprendrez pourquoi je pense à ça. Mais pourquoi je chute des trucs, moi je suis bien. D'ailleurs, Bioshock est un jeu qui fait un peu peur aussi. Moi j'ai eu des petites frayeurs sur Bioshock. Une mythologie de merde! Non, ça ne sert à rien, j'ai mis 3 points dans le bide. Vitesse de recharge. Vitesse, c'est comme ça. Amélioration de la recharge. La capacité plus. Damage, non, j'ai pas. Bon, alors, il faut que j'atomise ce truc là derrière le carreau. Parce que sinon, il va réanimer plein de cadavres. Oh, putain, il va pas y arriver.
en avait deux en fait. Bon bien hut. Est-ce que tu as fait les Bioshock, Narkey? J'étais obligé d'ouvrir la porte pour ce petit module d'énergie. Ah, où les autres? Open the door. Toujours un point de sauvegarde. Allons-y. Ne soyons jamais trop prudents. Je sais pas si c'est ça comme ça. Je ne sais plus. Hop. Merde. Ah! J'ai tiré dans les couilles! Putain mais crève, 70 missions dans ta gueule. Et elle est où le nana du coup? Elle est morte. Oui bien joué, 1 et 2, elle est une fille. Ah j'ai pas fait le 2. Attends. C'est lequel ou t'es le Big Daddy? C'est le 2. Ouais je crois que j'ai pas fait le 2. M'avait pas plu. Pas très bien. Le 1 j'ai adoré, le Infinite excellent. Par contre le 2 être dans le Big Daddy tout ça, ça m'avait pas trop plu. Je sais plus si je l'ai fait au final ou pas. En train de voler HS. Chaque fois que je vois HS, je pense Hearthstone. Ouais, c'est fermé. Je fais quoi? Ben, je me rends plus HS. Le 2 c'est celui où tu diriges Big Daddy. Ouais voilà, le 2 m'a moins plu. En fait je voulais me forcer à le finir mais au bout d'un moment je prenais vraiment pas plaisir. Et puis l'histoire était... J'arrivais pas à accrocher non plus. Attends, le 2 HS, il y a autre chose à faire. Ah bon, on s'en fout, je vais faire moi-même. Hein. Donne des munitions. Oh merde. L'exemple même du type qui ne lit pas ce qu'il a fait. Quarantaine d'urgence initialisée. Forme de vie inconnue détectée. Équipe de sécurité prévenue. Oh putain. Oh la sécisation aussi. Le gars qui sait pas viser. Laissez-moi tranquille. Thank you.
Kuskri. Tout aligné, lui. Bon, y'en a plus. Fini. Vague intense, mais pas très difficile. Ça va. Plutôt satisfait. Vous allez pas vous y mettre en fait. C'est la jungle. Qu'est-ce qu'il y a, une créature buggée quelque part ou quoi? Allô? Vite chaud. Après je devrais faire activer tous les ponts pour un petit monolithe, je suppose. Ça va être l'action du jour. En rubis, ça, ça vaut au moins 20 000 balles. 20 000 boules. Bon. On va continuer à faire avancer le boulet. Alors, on va faire ça. On va le coller. On va activer le pont. Pistaser sa gueule. Pistaser sa gueule, j'ai dit. Pistaser sa gueule, voilà. Et là il casse. Paf. Et ce pont là il se lève pas. Par contre ils vont nous laisser l'alarme pendant 10 piges là, c'est pas cool. On va mettre là, stop, là, oui, viens là. C'est bon, ils sont tous morts, vous pouvez enlever l'alarme, je vais m'en occuper. Petite idée, petite bactérie. Ah ouais, je vais aller où si je vais là? Je suis con aussi. Bah oui, mais oh là là. On va dire que c'est la fatigue. Il commence de plus en plus à faire noir. Je sais pas si vous avez vu. Ça met de plus en plus dans l'ambiance. Donc je vais vite arrêter. Non, je pense que 19h. 19h va être le final pour nous. Merde, j'ai pris de soin lui de stase. Stase. Il y a des trucs de stase un peu partout, mais bon, j'en ai plein. Je ne sais pas si on va le finir aujourd'hui, mesdames, messieurs. Ça sera pour une prochaine fois. Ça nous donne l'occasion de tout revoir. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Pour vous ou pour moi, je sais pas. Allez. Ah, bah voilà. Pas par derrière. Oh. Ta maman l'a jamais dit qu'il fallait faire ça par derrière. Enfin, pas faire ça par derrière. Bien, bien cochon. Parce que quand ils sortent leurs bras, ils meurent beaucoup plus vite. Enfin, leurs bras. C'est pas possible. Yeah, munitions dans le vide. Bref. Antenne levée. Oh putain, ça fait du bien. Et là, je l'ai pas assez avancé et puis il s'éclate.
Oh putain, hé, gars ici, je suis bien, je t'ai déjà spoté. Alors eux, pour le coup, sont vraiment chiants à tuer parce que faut être précis avec leur putain de bras tout fin là. Et bah sur PC, c'est pas possible. Je l'ai eu ? J'ai tout eu là. C'est qui le boss ? Oh, allez ! Est-ce qu'il y en a un à côté ou pas ? Oui. Plus de munitions. Isaac, tu y es presque. Remets ces passerelles en route pour déplacer le monolithe à travers cette zone. Mais... cherche un poste de contrôle au fond du tunnel de maintenance. Il faut un peu de munitions. J'entends encore des sons. En mode... ah oui, eux. Ouais. Ils me font des dégâts. C'est juste pour le fun, je pense, parce qu'ils font pas spécialement plus de dégâts. Enfin, beaucoup de dégâts plutôt. Allez. J'ai peur que la save elle bug et que la prochaine fois je l'ai dans le Baba Horum. Ça me fait vraiment peur ça. Commande morte. Je pense que le combat aurait pu être beaucoup plus chiant si je les voyais pas de l'autre côté. Stock, stock et je stock. Ouais, on va reprendre des. L'arme de cutter plasma. Des munitions. Allez, faut munitions, de toute façon on a l'armure niveau 5, on n'a pas spécialement envie d'autres armes, on va finir avec ça. On recharge tout. Tout est rechargé. On peut y aller. Bah vous êtes déjà mort les mobs. Oh quel dommage. Par contre ils m'ont donné masse vie. J'ai pas besoin d'autant de vie. Entrée zone sans gravité. C'est bien par là que je vois les... Ouais, ouais, ouais. J'ai peur que ça se ferme d'un coup ces trucs. Non, Stas, c'est bon, j'en ai 1000. Actif, je finis. Wow! Il est où? Ah! Oh, il est là! Ça va être tout noir! Ah, je crois que c'était des munitions. J'ai pas fini. Oh, hey, c'est... ah, c'est juste horrible pour le cerveau, ce bidule! Ah non, c'est une stase. Je me suis fait hutte. Je viens de là ou pas? Oui. Du coup, c'est par où?
Ah, il y a une porte là, j'ai pas fait gaffe. Allez, saute. Pas chier. Madame rentre. Eh, il va se passer quoi? Si je vais là-haut, je meurs quand même. Je teste. Ah non, là je suis à l'endroit. T'as 3 packs de vie. Peut-être pas maintenant. Oh non, bah lui c'est bon maintenant. Sortie zone sans gravité. Allez, on tue celui-là. Il y a une petite save quelque part. Je pense, les amis, qu'une petite save s'impose. Et on va en rester là. On va faire avancer le monolithe un petit peu. Allez, je vais essayer de faire. On va chercher un peu de stase là-bas au coin. Hop. Bien sûr, je l'active.
Bon, j'espère qu'il n'y a pas 15 milliards de salles qui font ça. Et là, nous save. Et voilà, donc on va en rester là pour aujourd'hui. On a bien avancé, on n'a pas fini malheureusement. On est au chapitre 11, presque 12 je pense. S'il y a un 12. Donc voilà. Donc en tout cas, merci d'avoir suivi. Vous pouvez, tout le blabla quotidien, hein, vous pouvez me suivre sur le Twitch pour que vous sachiez quand est-ce que je stream. Sinon, il y a mon Facebook, il y a mon Twitter. Je renseigne tout ça, tout le temps. Vous êtes toujours mis à jour. Sur ce, une bonne soirée. Peut-être à demain, tout à l'heure, je ne sais pas. Allez, ciao ciao.